un enfant, là où là je tourne, son cœur se suicide et moi je rêve. Je rêve du bon vieux temps, ouais, ouais, dame, dame, et oh, 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 oh. Dame, dame, et oh, oh, oh. Un SMS va arriver, j'aurai 30 ans, 30 ans de liberté, et soudain le bilan. L'horloge tourne, les minutes sont des rimes, et nous on rêve, on rêve. D'arrêter le temps. Okay. Ça sourit pas beaucoup, c'est pas beaucoup dans le partage. Voilà, pas tu t'es senti comment quand tu... Là, j'étais pas très à l'aise. C'est pas, voilà, c'est pas des choses que j'ai l'habitude d'entendre. Voilà, mais pas des choses que tu as l'habitude d'entendre. Tu parles de quoi? Non, la musique, je veux dire. Ce style de musique? Ouais. Et puis pendant les répètes, voilà, je galérais un peu sur la mélodie, donc je pensais, voilà, est-ce que je vais réussir à passer les notes? Bah, du coup, il y en a plein que je passe pas. Donc, je suis pas vraiment à l'aise, je suis pas vraiment dedans. Et, bon, bah, ça se voit, quoi. Voilà, c'est ça, t'étais pas du tout dans le plaisir, dans le partage, ça, c'est clair, c'est... Mm. Et ce qui est, et pourquoi je t'ai fait la remarque du micro sur le Prime? Parce que, pour moi, c'est le B.A.B.A. Même s'il était réglé pour Daniel. Non, en plus, c'est moi qui l'ai réglé tout seul. Bon, bah voilà. Donc, parce que Daniel, t'as été gentil, t'as dit il a été réglé pour moi derrière. Il semblait qu'au répète, mais, il avait mais quand bien même, Daniel, ouais, c'est sa presta. À partir du moment où c'est votre prestation, même si vous faites perdre une minute à l'assemblée, on s'en fout. Votre confort, c'est ce qui va découler. Votre prestation va découler de votre confort. Donc, votre confort, c'est aussi ça. Donc, t'as un côté un petit peu courbé, toujours vers le micro, donc vers le bas. Tout le temps, toute la presta. Et moi, je n'ai vu que ça. Quand je te regardais, je me disais, mais pourquoi il... Et à un moment donné, je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi il est comme ça vers le bas? Puis je dis, mais c'est son micro. Il est trop loin. Et je me suis dit, bah, il va peut-être s'en rendre compte. Ça va le saouler d'être comme ça vers le bas alors qu'il y a du public, qu'il y a des lumières, qu'il y a tout ça. Il va le prendre à la main parce que tu aurais pu prendre. Il a sa guitare, lui. Mmh. Vous prenez aucune initiative. Tu aurais pu prendre ton micro. Moi, je le sentais pas, là. Non, mais OK, mais là, je t'explique. Parce que quand on le sent pas, eh ben, on cherche à dépasser ça. Sauf que tu t'es entériné là-dedans et tu t'es pas senti du début jusqu'à la fin. Au lieu de te dire, bon, bah, je me sens pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que la prestation, elle n'est pas finie. Il y a 3 minutes et demie de chanson, il faut que j'en fasse quelque chose. Et je suis sur un prime, et c'est un privilège, et c'est quelque chose qui m'arrivera pas toute ma vie, peut-être. Enfin, je te le souhaite, ceci dit, mais en tout cas, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, ce que je veux dire, tu te lèves, tu prends ton micro, je veux dire, tu aurais pu te déplacer, aller vers lui, chanter avec lui, être, tu vois, dans le move que lui pouvait pas parce qu'il était obligé avec sa guitare de rester devant son pied de micro, mais au moins, créer une vie, inventer des choses. Faites, soyez inventif, soyez vivant.